Soyez les bienvenus, paroissiennes et paroissiens habitués à vous rassembler dans ce temple. Vous toutes et tous aussi qui êtes venus par amitié ou par intérêt vous associer à ce culte cantate. Bienvenue aussi, vous, musiciens qui, par le chant ou par la voix, par les instruments, accordez vos voix et vos cordes pour embellir la louange de Dieu. Invoquons sa présence parmi nous. Dieu notre Père, Père de tous les humains, tu nous précèdes et nous accueilles ce matin encore, rassemblés au nom de ton Fils, notre frère en humanité. Alors que la guerre heurte à nouveau de près, avec son cortège de souffrance, de destruction, d'exil, donne-nous de ne pas céder au découragement et au repli sur soi, ni à la tentation des réactions violentes qui ne font qu'aiguiser le mal. Que ta parole et ton esprit nous donnent d'aller de l'avant sur les pas de ton Fils. Il a partagé jusqu'au bout notre réalité d'humain, avec ses joies et ses détresses, ses solidarités et ses rejets. Témoin d'un amour plus tenace que le mal, témoin d'une vie plus forte que la mort. Dieu notre Père, que ta grâce et ta paix viennent sur nous, qu'elles nous ouvrent le chemin vers toi, vers nous-mêmes et vers notre prochain. Amen. Et pour chanter la louange de Dieu, je vous invite à ouvrir vos psautiers au numéro 51, dont nous chantons les trois strophes. Mais d'abord, accueillis tels que nous sommes, avec nos ombres et nos lumières, présentons-nous à Dieu tels que nous sommes. Père, nos vies sont tissées de contrastes, rires et larmes, rencontres et séparations, deuils et naissances.
Il arrive ainsi que nos yeux soient incapables de voir les signes de renouveau et de promesse que ta présence dissémine à fleur de notre quotidien. Il arrive que la souffrance nous heurte, qu'elle nous révolte au point que nous doutions de toi. Face aux catastrophes naturelles, face aux violences gratuites, à l'innocence bafouée. Alors nous t'en prions. Ouvre nos yeux et notre intelligence. Ouvre nos cœurs pour que nous percevions les traces discrètes de ton passage, de ta miséricorde et de ta bienveillance. Fais de nous des relayeurs de ton pardon, des artisans de paix et de conciliation, confiants en l'être humain, malgré ses peurs et ses faiblesses, malgré ses erreurs et ses aveuglements, qui sont aussi les nôtres. Éclaire-nous de ta lumière, pour que nous reconnaissions toujours encore l'amour plus fort, plus tenace que la mort, et que nous témoignons ainsi de ta résurrection et de la vie nouvelle qu'annonce l'Évangile. Car c'est en toi que nous mettons notre confiance, en la parole de ton Fils. Je suis lumière dans le monde. Qui marche à ma suite n'errera pas dans les ténèbres. Il sera dans la lumière qui conduit à la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, à cause de cette promesse, ayons confiance. Vous qui avez faim et soif du pardon de Dieu, heureux êtes-vous, car Dieu vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de la justice de Dieu, heureux êtes-vous, car vous serez rassasiés. Vous qui avez faim et soif de la présence de Dieu, heureux êtes-vous, car Dieu vient demeurer en vous et agir à travers vous. À lui soit la gloire aujourd'hui et toujours. Amen. Quelques mots sur le motet que nous avons le privilège d'entendre aujourd'hui. Pascal Colas, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu son nom, c'est un compositeur quasiment inconnu de la cour de Louis XIV que Didier Godel nous fait découvrir aujourd'hui. Né à Reims en 1649, il a grandi à Paris où sa famille s'était établie. Enfant de chœur, dans une des paroisses de la capitale, il y fit ses études avant d'entrer à 28 ans au service de Lully, Jean-Baptiste Lully, le grand Lully, le musicien attiré du roi Soleil. Colas avait notamment la charge de compléter les partitions de Lully en les orchestrant et en développant les parties chorales. Et puis à la mort de Lully, après avoir terminé une tragédie lyrique de ce dernier qui était restée inachevée, il se lança lui-même
dans la composition, surtout de ballet et d'opéra. Il faut dire que ce fut avec un succès plutôt mitigé. Il a aussi mis en musique des cantiques spirituels de Racine, Jean Racine, parce qu'il avait des relations avec le pensionnat de Saint-Cyr. Dans sa carrière musicale à la cour, Colas finit par être nommé, à près de 50 ans, maître de musique de la chambre. Et il composa à ce titre une série de motets pour grand chœur destinés à la chapelle royale. Celui que vous entendez aujourd'hui, que nous chantons aujourd'hui, en fait partie. Par ailleurs, un privilège particulier du roi lui permit d'établir quelques opéras dans les provinces françaises. Mais un seul a effectivement vu le jour à Lille, qui fut détruit quelques années plus tard par un incendie. Et 5 ans après avoir quitté ses charges à la cour royale, Colas est mort à Versailles en 1709. De ses œuvres, un petit nombre lui ont survécu, parmi lesquelles celles que nous entendons aujourd'hui. Avec 2 autres, elle avait été en fait incorporée dans un manuscrit de motets de Michel Richard de Lalande, qui était le cadet d'une 10aine d'années de Colas, mais qui était beaucoup plus connu que Colas lui-même. Un dernier mot encore sur le texte que Colas a mis en musique. Le motet « Lauda Jérusalem » illustre la seconde partie du psaume 147 de nos Bibles actuelles. Et selon l'usage de l'époque dans l'Église catholique, Il le chante en latin. Mais il faut savoir que dans les Bibles catholiques, récemment encore, cette seconde partie de notre psaume 147 constituait un psaume à part entière, qui était dans les églises catholiques, dans la Bible catholique, le psaume 147. Parce que la Bible catholique suivait le texte latin de la Vulgate, alors que les Bibles protestantes suivent la Bible hébraïque, où la numérotation des psaumes est différente. Donc notre psaume 147 dans nos Bibles protestantes, ou dans la Tobe, inclut le 147 chanté par Colas, mais également celui qui, dans la liturgie catholique, est le numéro 146. Voilà, juste une petite explication. Donc je précise que la lecture que vous allez entendre dans un instant, et puis ce que vous allez entendre dans un instant, ça sera le psaume 147 tel que nous le connaissons. Et c'est la dernière partie qui correspond à ce qui est chanté. Voilà, j'espère que c'est clair. Thank you.
Avant d'écouter le psaume 147, alors dans son intégralité, version protestante, juste une petite introduction, nous le lirons, à trois voix pour faire ressortir un peu la structure et les thèmes de ce psaume. Je reprendrai tout ça ensuite dans la prédication. Parce que ce psaume, dans son intégralité, est construit en quelque sorte en trois parties, avec dans chacune des éléments de louange et deux différentes raisons données à cette louange de Dieu. Mais avant d'écouter, préparons-nous à accueillir en nous cette parole qui nous est donnée aujourd'hui. Dieu notre Père, nous faisons partie de ceux à qui tu as adressé ta parole. En vérité, tous les humains. Mais nous faisons partie de ceux à qui tu as donné la grâce d'accueillir cette parole, de nous y ouvrir. Alors par ton esprit, fais qu'elle pénètre au plus profond à la fois de notre intelligence et de notre cœur, pour qu'elle éclaire notre route vers toi, notre route vers notre prochain, notre route vers nous-mêmes. Amen. Psaume 147. Louez le Seigneur. Il est beau de célébrer notre Dieu, parce qu'il est doux. Il convient de le louer. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Il compte le nom des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur soutient les malheureux et il rabaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez au Seigneur des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages et prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Le Seigneur aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia, Jérusalem, loue le Seigneur. Sion, loue ton Dieu. Il a affermi les verrous de tes portes. Il a béni tes enfants au milieu de toi. Il a établi la paix à tes frontières et te rassasie du meilleur froment. Il expédie son message à la terre, sa parole court à vive allure. Il donne la neige comme de la laine et disperse le givre comme de la cendre. Il envoie la glace comme des blocs. Face à son frimas, qui tiendra?
Il envoie sa parole et les fait fondre. Son vent souffle et s'écoulent les eaux. Il annonce sa parole à Jacob, son droit et ses jugements à Israël. Il n'a fait ainsi pour aucun autre peuple. Ses jugements ne leur a pas révélés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à répondre à la parole par le chant. Au numéro 274, nous chanterons les deux premières strophes de ce chant 274. Il y a donc dans ce psaume pris en entier trois thèmes. Il y a la louange et puis il y a deux raisons données de rendre louange à Dieu et elles alternent chaque fois. Si on pouvait dire qu'il y avait trois strophes, on dirait que dans chacune des strophes, elles apparaissent l'une et l'autre. L'œuvre salutaire de Dieu touche en premier lieu la création. Il fixe et nomme les étoiles. Il fait tomber la pluie qui féconde la terre. Il nourrit le bétail jusqu'au petit du corbeau qui crie. Il envoie la neige et la glace et puis il les fait fondre en courant d'eau vive. Et tout ça par sa seule parole qui transmet et réalise ses volontés. Et Dieu agit également comme celui qui, d'une part, juge l'ensemble de l'humanité et, d'autre part, gratifie de ses bienfaits le peuple qu'il a élu. Il rebâtit Jérusalem et il y rassemble ceux qui étaient dispersés. Il affermit ses frontières et la préserve en paix après lui avoir, au contraire de tous les autres, révélé son droit et ses jugements. Et par ailleurs, de manière plus globale, il guérit et réconforte blessés et affligés, rabaisse les méchants, soutient les malheureux, tous ceux qui comptent sur sa bonté plutôt que sur la vigueur de leurs chevaux ou sur leur propre force. Comment, devant tout cela, ne pas lui rendre gloire par la louange et par le chant ?
C'est joli. Mais est-ce que ça tient, ces raisons de rendre louange à Dieu? Comme l'auteur du psaume 147, on a souvent célébré Dieu comme le créateur unique, l'ordinateur providentiel du cosmos. Cosmos, c'est un mot grec qui évoque un ordre parfait, synonyme de beauté, d'harmonie universelle. En un sens, on pourrait dire que les astrophysiciens de nos jours pourraient élargir encore ce cosmos par la découverte d'exoplanètes sur lesquelles, à des millions d'années-lumière de notre système solaire, une forme de vie ne serait pas exclue. C'est bien, mais ce Dieu-là, maître et ordonnateur du monde, n'est-il pas remis en question? N'est-il pas même contredit par les catastrophes naturelles qui, périodiquement, portent atteinte à la terre et à ceux qui l'habitent? Comment concilier la foi en un tel Dieu créateur, par exemple avec le tremblement de terre qui a dévasté Lisbonne en 1755? Voltaire le contestait déjà en son temps. Et la réponse que lui donne Rousseau n'est pas vraiment convaincante. Et plus près de nous, comment concilier cette vision de Dieu avec le raz-de-marée qui, au lendemain de Noël 2004, a fait des milliers de victimes autour de l'océan Indien? Face à de tels événements, est-ce qu'on peut vraiment célébrer le créateur d'un univers parfait, louer une divine providence? L'idée d'un Dieu ordonnateur cosmique résiste plutôt mal à l'épreuve des faits. Alors on pourrait alors célébrer en Dieu plutôt un arbitre suprême du bien et du mal, un Dieu qui jugerait les activités de tous les humains et qui par ailleurs prendrait fait et cause pour les affligés, pour les victimes, ainsi que pour un peuple particulier auquel il a fait connaître sa justice et ses jugements, ses volontés. Un Dieu, autrement dit, un Dieu qui ne régnerait plus directement sur la création, mais qui agirait dans la vie et dans l'histoire des humains pour mettre en œuvre ses volontés sur terre. Là encore, c'est joli. Mais ce Dieu juge universel du bien et du mal, prenant parti pour celles et ceux qu'il a élus, a donné lieu au cours des siècles à tellement d'abus, à tellement de violences en son nom, à tant d'humiliations, à tant d'exclusions, et de nos jours encore, qu'il ne me paraît guère plus convaincant que le Créateur cosmique tout-puissant. D'ailleurs, comment croire en vérité que la justice de Dieu se manifeste sur cette terre alors que les inégalités les plus criantes ne cessent de croître avec leur cortège de misère et de violence, alors qu'un dirigeant mégalomane décide arbitrairement de mettre à feu et à sang un pays voisin, et que des milliers d'affamés et d'émigrés errent dans le monde en quête d'un lieu refuge où survivre quand ils ne se noient pas dans les flots de la Méditerranée? Ces deux images traditionnelles de Dieu ne sont finalement pas tellement plus convaincantes l'une que l'autre. Et si l'architecte suprême ne laissait guère de place aux décisions des humains, le Dieu juge et arbitre universel semble au contraire leur avoir livré le monde, entre leurs mains, plutôt pour leur malheur. Alors, quel Dieu? Il me semble qu'il reste une autre approche possible, une autre manière d'essayer d'approcher le mystère de Dieu. Dieu comme celui qui s'est révélé sur terre en la personne de Jésus.
Dieu qui s'est révélé sur terre comme compagnon de fragilité et de souffrance de ses sœurs et de ses frères, au point de leur donner, voire de leur abandonner, sa vie. Un Dieu qui n'agirait pas par mainmise sur autrui, qui n'agirait pas par séduction en vue d'accroître son influence et son pouvoir, mais qui agirait dans la faiblesse consentie, rejoignant les humains là où ils sont, là où ils en sont. Un Dieu qui ne s'imposerait pas et qui ne chercherait pas à s'imposer, mais un Dieu qui s'expose. Un Dieu de relation, un Dieu d'alliance, un Dieu en quête inlassable d'un vis-à-vis reconnu comme sujet, d'un vis-à-vis sollicité comme partenaire actif, avec ses limites et malgré ses limites. D'un Dieu appelant à une telle responsabilité partagée, d'un Dieu qui aspire à cette relation, le texte d'évangile que les lectionnaires prévoient pour ce dimanche me semble donner une illustration parfaite. Je vous le lis dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et ça fait référence à un passage du livre des Nombres. De même qu'au désert, Moïse a élevé sur une perche, le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce texte, je ne vais pas le méditer maintenant, il sera au cœur de la méditation de ce soir. Vous pourrez d'ailleurs par la paroisse obtenir les deux, si vous voulez. Mais ce que j'aimerais déjà souligner ce matin, c'est deux choses qui me frappent dans ce texte. D'abord, c'est la différence subtile que ce texte établit entre Moïse et Jésus. Moïse délivre, il préserve le peuple des serpents en suspendant sur une perche, en crucifiant, on pourrait dire, un serpent en métal. Jésus, lui, affronte le mal en se laissant suspendre, lui, sur une croix. Une autre manière d'affronter le mal. Et puis, ceci me semble souligné encore par un étonnant changement de sujet entre le début et la fin de la phrase suivante. L'évangéliste aurait pu écrire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver le monde ». Ça ne serait pas faux théologiquement. Non. L'évangéliste écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie sauve. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que même lorsqu'il en va du bien de l'homme, même lorsqu'il en va de la vie de l'homme, Dieu n'agit pas sans l'homme. Pour l'interpeller, pour l'orienter, il lui donne son Fils, mais il lui laisse le choix, il lui laisse la responsabilité de sa réponse. L'être humain reste libre de reconnaître et d'accueillir dans la foi ce Fils ou de le rejeter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, c'est là le sujet, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voyez-vous, le Dieu de Jésus-Christ, celui que Jésus invitait ses disciples à prier comme un père, comme leur père, ce Dieu-là n'agit pas de manière solitaire, d'en haut,
Il n'agit pas par mainmise ni par séduction. Il se manifeste dans le don. Il se manifeste dans une offre. Un don qui ne s'impose pas, mais qui s'expose à la merci et, j'aimerais dire, et surtout, au merci de chacun de ceux qui l'accueillent, de chacune et de chacun de nous. Amen.
comme prière d'intercession au vu des événements que nous suivons à distance et en même temps de si près depuis un peu plus d'un mois, j'ai choisi un texte qui date déjà d'une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus. Il est dû à un ancien archevêque de Milan, Carlo Maria Martini. Et à ce texte, je vais ensuite ajouter notre prière pour aujourd'hui. C'est une prière pour l'Europe du cardinal Martini. Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, regarde ce continent auquel tu as donné des philosophes, des sages et des législateurs, précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et par Paul, par des prophètes, des moines et des saints. Regarde ces régions arrosées par le sang des martyrs et fécondées par la voix des réformateurs. Regarde ces peuples, unis par de multiples liens d'échange et de projets, mais divisés aujourd'hui par la violence et par la guerre. Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit, une Europe fondée non seulement sur des accords économiques et des alliances politiques, mais aussi et d'abord sur des valeurs humaines et permanentes. Une Europe capable de réconciliation par-delà ses diversités ethniques ou religieuses. Une Europe prompte à accueillir l'étranger et l'émigré. Une Europe respectueuse de la dignité de chacun. Et donne-nous de reconnaître avec lucidité et d'assumer avec courage notre commun devoir. Donne-nous de contribuer avec confiance à une entente entre les peuples pour assurer sur tous les continents la justice et la nourriture, la liberté et la paix. Dieu notre Père, Père de tous nos frères et sœurs en humanité, nous te prions plus particulièrement ce matin pour l'Ukraine et pour tous ceux qui l'habitent. Quelle que soit leur langue maternelle, leur confession, qu'ils et elles puissent à nouveau vivre en paix, dans la reconnaissance et dans le respect de leur diversité. Toi qui, d'après le psaume, avais rebâti Jérusalem pour y rassembler ton peuple vaincu et dispersé, nous te prions pour la foule immense de celles et ceux qui ont dû fuir pour survivre, quitter leur maison, leur champ, leur famille et leur communauté. Qu'ils trouvent un lieu d'accueil, un lieu de refuge où se remettre de leur épreuve. Entourés d'attention et de compassion, en attendant des jours meilleurs. Et nous te prions aussi pour les pays, les villes, les gens qui les accueillent. Donne-leur les ressources nécessaires pour les temps à venir, jusqu'au jour où chaque exilé pourra regagner sa terre et sa maison, sa famille et sa communauté, et reconstruire ensemble ce qui aura été détruit et dévasté. Toi qui, en ton Fils, as pleinement partagé joies et détresses de notre vie d'humain, le bonheur des rencontres et la violence des reniements et des rejets, des trahisons. Toi qui es paix et source de paix, inspirateur et soutien de tous les artisans de paix, donne-nous, comme à chacun de nos frères, chacune de nos sœurs en humanité, tes enfants, donne-nous d'entendre, d'accueillir, de vivre
aujourd'hui ces paroles de ton Fils. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et dans cette espérance, ensemble, nous te disons la prière que ton Fils enseignait autrefois à ses compagnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'ores et déjà, un immense merci à Ion, Didier, à toute votre équipe pour ce magnifique culte cantate que vous nous offrez ce matin. Quelques brèves annonces, simplement vous les avez toutes sur l'ordre du culte que vous avez reçu et le programme de la semaine, et notamment l'ouverture de la semaine sainte dimanche prochain avec le culte des rameaux qui aura lieu aux eaux vives. Je crois qu'il y a une erreur dans le réformé, c'est bien aux eaux vives que le culte des rameaux aura lieu, un beau culte aussi musical avec beaucoup de jeunes qui feront la musique et une belle participation. Donc ce sera une belle manière d'entrer dans la semaine sainte. Voilà, juste pour vous dire qu'après le dernier morceau de musique, je vous encouragerai à rester encore assis, car je me permettrai de reprendre la parole à ce moment-là. Maintenant, à l'occasion du chant 277, les trois strophes, l'offrande va être recueillie à ce moment-là du culte. La bénédiction pour laquelle je vous demanderai de vous relever, avant la bénédiction, c'est quelques mots d'envoi, et j'ai choisi des mots d'un homme qui a connu la souffrance,
qui a été lui-même emprisonné pour la justice, pour la vérité, pour la liberté de son peuple, c'est Václav Havel. Souvent, au cours de ma vie, il m'est arrivé de me trouver dans une situation où tout semblait se liguer contre moi, une situation de désespoir. Et une question toute simple ne cessait de me tourmenter. Pourquoi ne pas tout abandonner? Pourquoi ne pas me résigner? Seul notre sentiment de l'infini et de l'éternité, qu'il soit intuitif ou raisonné, peut expliquer ce phénomène mystérieux qu'est l'espérance. L'espérance, ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable. Non, l'espérance, c'est la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il puisse advenir. Que Dieu, que ce Dieu qui donne un sens à nos vies, nous donne de reconnaître ce sens, de nous y tenir, et dans la recherche de ce sens, de trouver des compagnons d'espérance. Que l'amour de Dieu, notre Créateur et notre Père, que la grâce de Jésus-Christ, pleinement Fils de Dieu et pleinement compagnon en humanité, et que l'Esprit Saint, intarissable source de foi, d'espérance et d'amour, que Dieu nous garde, nous guide, nous inspire la paix et fasse de nous des artisans de paix. Amen. Let's go.
Voilà, je vais inviter Françoise à me rejoindre pour le conseil de paroisse. Didier, oui, tu es assis juste là, ça va, ne va pas trop loin en tout cas. Voilà, ces applaudissements sont pour vous les musiciens choristes, mais ils sont aussi grandement destinés à Didier, qui vraiment a été un fidèle parmi les fidèles de cette paroisse, de la paroisse de Champel, puis de la paroisse de Champel-Malagnou, puis de la paroisse Rive-Gauche. On voit que les paroisses ont évolué, mais Didier est resté fidèlement au poste. Je suis moi-même arrivé à Champel quand j'étais catéchumène et moniteur, et je me souviens dans mes premières années, on vivait les recueillements du temps de la Semaine Sainte avec beaucoup d'enthousiasme, et Didier était là pour la musique. Et quand je reviens maintenant à Champel et que je suis grand-père, Didier est toujours là. C'est dire la fidélité de Didier dans cette communauté, et son engagement pour cette paroisse dépasse largement le cadre professionnel de l'organiste. Didier, je crois, il a fait tout ce qui est possible dans une paroisse. Il a effectivement été notre musicien attitré, bien plus qu'un organiste. Il a été lecteur, il a été conseiller de paroisse, il a été homme à tout faire de la paroisse, ramassant la collecte, les fleurs, mettant les chaises, enfin tout ce qu'il faut faire dans une paroisse. Il a aussi, dans le cadre de l'Église, été un membre éminent des différentes commissions musique au niveau genevois ou roman. Tu as harmonisé un certain nombre de cantiques aussi, mais évidemment que dans notre paroisse, on retiendra ton engagement extraordinaire au service de la musique dans cette communauté pour animer les cultes, accompagner les cantiques, bien évidemment, apporter tout le soin musical qu'on te connaît, également à toujours trouver pour les cultes radio, les cultes particuliers, l'accompagnement musical adéquat et bien sûr l'animation des recueillements de la Semaine Sainte. Et je garde pour la fin, évidemment, les cultes cantates dont nous avons encore pu bénéficier aujourd'hui. C'est assez extraordinaire d'arriver avec le peu de répétition à mettre toute cette équipe en route. C'est extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir pu contribuer à la vie de notre communauté musicalement, mais bien plus que cela, durant toutes ces années. Et comme le cadre de ton engagement dépassait largement le cadre professionnel, nous avons bon espoir qu'en quittant ta charge professionnelle, tu restes encore parmi nous comme un paroissien et un organiste honoraire émérite. En tout cas, les mots manquent pour dire évidemment la reconnaissance de la communauté pour un si bel et fidèle engagement. Alors je crois que nous pouvons encore une fois, par nos applaudissements, remercier infiniment Didier. Et très modestement, la paroisse a quelques petits cadeaux à te remettre. Et je laisse Françoise le soin de te les remettre. Voilà, donc, au nom de la paroisse, j'ai le plaisir de remettre quelques cadeaux à notre fidèle organiste. D'abord, un livre pour te permettre de visiter un passé très très lointain. Ceci, c'est pour plonger dans un élément que tu apprécies particulièrement. Et ceci, c'est la musique. La musique encore et toujours. Voilà, tous mes vœux pour une belle et longue retraite. Merci beaucoup à tout le monde. Pour vos applaudissements, ça me touche beaucoup. C'est vrai que
51 années, ça fait pas mal. Ça fait énormément d'excellents souvenirs. J'ai l'impression d'avoir vécu juste au bon moment, au bon endroit. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais j'ai eu des collaborations fantastiques avec les pasteurs, avec les présidents des conseils du conseil de paroisse, avec les paroissiens et surtout avec les musiciens qui m'ont accompagné. Et là, je dois dire que c'est un privilège d'avoir pu organiser ces cultes cantates, surtout avec Yon, qui était toujours là pour m'épauler, et d'avoir la collaboration des musiciens, certains qui sont là depuis le premier culte cantate, qui était le premier dimanche de l'Avent de l'an 2000, donc ça fait bientôt 22 ans. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, une grande chance d'avoir la collaboration des choristes. Il y en a toujours des nouveaux qui arrivent, ce qui veut dire qu'ils ne s'en lassent pas, et des instrumentistes pour faire cette musique. Et je joins là-dedans tous les autres instrumentistes, les trompettistes, les bassonistes, les violonistes, etc., etc., qui se sont succédés à la galerie ici ou à Champel, à côté de la console de l'orgue. Et je vous remercie, vous tous, paroissiens, l'accueil que vous avez réservé à ces prestations musicales et de l'accueil que vous venez de me réserver. Et je reste, rassurez-vous, je reste encore parmi vous pour ranger les chaises. Mais avant de ranger les chaises, on se retrouve pour l'après-culte qui nous attend, où nous pourrons retrouver Didier. Merci et bonne suite de journée.